Inizieremo adesso. Buonasera a tutti, sono molto lieto di potervi presentare. Io mi chiamo Thierry Vissol, sono il direttore del Centro Libre Expression della Fondazione Di Vagno. E quindi ho il piacere di presentarvi due persone abbastanza eccezionali. Comincerei con Ilaria Guidantoni, che dirigerà questo dibattito. Ilaria Guidantoni è filosofa, giornalista, scrittrice e specialista del Maghreb, sul quale ha scritto numerosi libri, particolarmente sulla Tunisia e sull'Algeria, ma anche sul Mediterraneo. Parla arabo anche. Shuya. Classico. Shuya shuya, vabbè. Poi accanto tra di noi un fenomeno del fumetto e del disegno, Zainab Faziki. Lei è di formazione ingegnere in meccanica e quindi disegnava degli aerei, dei ponti e tutte queste cose, prima di avere una specie di fulgurazione per il disegno. E a 22 anni ha pubblicato il suo primo libro, che si chiama Shuma, che vuol dire vergogna in arabo, perché ha cominciato a essere molto attiva nella formazione delle donne nel Maghreb, particolarmente nel campo della sessualità, che è effettivamente un tabù da cui tutti si vergognano. E quindi è un lavoro estremamente importante, sia di fumettista, ma anche di attivista e di formazione, ma di tutto ciò penso che ci parlerà. E quindi vi lascio, Ilaria, iniziare questo dibattito. Bonjour à tout le monde, merci d'être là, merci à Zainab Faziki pour avoir accepté cette invitation et merci surtout à M. Thierry Vissol qui m'a invité, qui m'a introduit à ce festival dont je suis devenue une habituée. Avec plaisir, je reviens à Conversin après quelques années et je vais vous présenter notre amie Zainab Faziki. Et elle est justement devenue bédéiste et illustratrice, mais elle s'est formée en tant qu'ingénieure électromécanique. Et alors, ce choix, pour elle, c'est une chose presque naturelle, car à ton avis, le dessin est le fil rouge de toutes tes activités, mais ce n'est pas évident en effet. Alors, comment se sont passées les choses ? Et donc, je remercie aussi Thierry en premier pour l'invitation. Merci beaucoup pour tout l'effort que vous faites aussi pour les questions. Merci à vous pour assister. Alors, je suis Zainab Faziki et la raison pour laquelle j'ai choisi la BD après tout un parcours d'ingénierie, c'est que j'étais en fait harcelée mon premier jour de travail. Et comme moi, j'ai un caractère fort et je dessine des caractères forts aussi, mon patron à l'époque, il m'a dit je ne peux pas porter plainte contre le gars qui m'a harcelé. Et c'est là où j'ai compris que moi, comme femme dans une zone industrielle, je ne suis rien. Je ne suis pas prise en sérieux après tous mes efforts, avec mes bonnes notes, mes rêves. Et donc, j'ai fait la bande dessinée pour les mettre en colère. Et c'est ce que j'ai fait, effectivement. Et bon, ton premier titre, Shuma. Shuma, justement, comme Thierry nous racontait, c'est honte en dialecte marocain, hishma en arabe classique, et c'est un titre très fort. À quoi s'adresse-t-il ? Parce que ce que je viens de raconter, et je le dis souvent, la raison, c'est la hishma, en fait. Parce que hishma, qui veut dire la honte, quand on est même victime de harcèlement ou de viol, on est une honte. Et c'est une des raisons pourquoi les femmes, elles n'arrivent pas à porter plainte, elles n'arrivent pas à en parler, parce qu'elles savent qu'elles vont être elles-mêmes insultées au lieu du criminel. Mais je ne voulais pas rester dans l'énergie de victime. Je voulais rentrer dans l'énergie d'être une rebelle, d'être un point de motivation pour les autres femmes aussi qui ont vécu la même chose. Et donc, Shuma,
C'est pas une bande dessinée, mais c'est un essai graphique qui a deux chapitres. Donc le premier chapitre, c'est le corps, et le deuxième chapitre, c'est la sexualité. Et comme j'ai séparé le corps et sexualité en deux chapitres, donc j'essaie de séparer en fait le corps de sexualité, parce que la crise qu'on a aujourd'hui envers les femmes, surtout aux pays musulmans, c'est qu'on lie souvent le fait d'être femme au sexe. C'est une femme, ça sert au sexe, une femme, ça sert à faire des bébés. Elle n'a pas le droit d'aller plus loin. Plus loin. Et donc, j'ai commencé par ce projet qui était traduit en italien, en d'autres langues. Et après, je suis passée à des projets narratifs. Et justement, ces livres-là étaient traduits en 5 langues. Et cela montre bien l'intérêt que les pays européens aussi ont par rapport à la question de la sexualité au Maghreb. Pourquoi ça, à ton avis ? Donc, le livre, quand il était, par exemple, au début en français, donc quand j'étais en France, et les gens, souvent, ils pensent que je le signe seulement avec la communauté européenne, mais je me suis retrouvée avec une grande communauté des Algériens, des Marocains, des femmes afghanes, des femmes iraniennes qui ont quitté leur pays pour retrouver une belle vie ailleurs. Et donc, c'était ces femmes qui venaient souvent à mes événements. Mais il y avait aussi des Françaises. Quand j'étais à Rome, il y avait des Italiennes qui m'ont parlé aussi de la place de la religion en Italie, les féminicides en Italie. En Espagne, la même chose. Quand j'étais en Mexique, je pense que la Hachouma, je l'ai jamais définie comme cette honte. Je ne l'ai jamais définie comme un truc qui est seulement marocain aux musulmans, il est global, et c'est ça mon féminisme, c'est un féminisme qui est universel avant tout. On peut dire que quand on est sur un point local, c'est différent entre un pays et un autre. Oui, par exemple le Maroc et l'Iran, c'est très différent. Il y a des choses qu'on a pu changer, il y a des choses qu'on n'arrive pas encore, mais en gros, c'est un système qui contrôle les femmes partout. Voilà. Et la langue est sans doute très importante, hein, parce qu'elle n'est pas seulement un instrument de communication, mais une vision de la vie. Et alors, pourquoi choisir le marocain, par exemple, à la place de l'arabe al-fusha, c'est-à-dire l'arabe classique? Et selon quelle idée tu choisis tour à tour le français, l'anglais, le marocain, etc.? Je me permets de te tutoyer parce que tu es très jeune. Hein. J'ai 30 ans, je pense que... Tu es très jeune. Je ne sais très pas jeune. Si je suis jeune. Mais j'ai commencé à 19 ans. C'est vrai, je suis fatiguée. Ça fait 10 ans que je milite et les extrémistes me menacent tout le temps. Mais je garde le sourire. C'est parce que quand on est artiste, c'est comme si on vive notre passion tout le temps. Et c'est ce qui m'a gardé le sourire. C'est ce qui m'a gardé cette énergie. Et en fait, c'était pas un choix de commencer par le français. En fait, j'étais obligée de faire le français au début pour Shoma parce que j'étais censurée au Maroc de publier un essai qui défend la communauté LGBT, qui défend l'avortement, qui défend le sexe hors mariage. Alors tout ce que je raconte là, quand je présentais le livre aux éditeurs, ils disaient oh, alors là, c'est beaucoup. Non. Mais quand je l'ai publié en français, quand il était traduit, il m'appelle Zainab, tu viens à Casablanca, à Rabat, à l'université. Et c'est chouma, c'est la honte qu'on doit être validé ailleurs pour qu'on ait pris au sérieux dans nos pays. Alors que moi, au début, je voulais faire un début purement marocain. Mais je ne voulais pas tuer le projet. Donc, je me suis dit, même si la Chine m'appelait pour publier le livre, je le fais. Ce n'était pas la France comme mon pays héros qui m'a sauvée. Mais à un moment, j'ai dit, je ne vais pas laisser tomber la langue pour moi. D'ailleurs, moi, je n'aime pas les frontières. Je n'aime pas ces étiquettes qui nous séparent comme humains. Je nous vois comme des homo sapiens. Franchement, toutes ces étiquettes... de nationalité, de couleur de peau, ça m'a beaucoup limitée.
et que c'est comme ça qu'on doit nous voir dans le monde. Thierry, à toi la parole. Tu dis que tu ne milites pas contre la loi, mais contre les tabous. Et en même temps, regarde l'image qui est derrière toi. Tu te considères un petit peu comme la protectrice des femmes au Maroc. Parce que le premier dessin que tu as fait comme cela, sur l'immeuble, il y avait marqué Casablanca. Parce que moi, j'ai fait polémique à cause de ces dessins de moi, parce que j'avais cette petite coupe, j'avais pas cette... Je vais changer mon style bientôt. Mais j'avais voilà, cette coupe, j'avais une personnalité, j'avais un style. Et la nudité, pour moi, je ne l'ai pas fait juste pour provoquer, mais je l'ai fait aussi quand j'ai exposé, par exemple, ce dessin à Casablanca. Quand les hommes venaient voir le tableau, je leur dis, qu'est-ce que vous voyez dans ce tableau? Ils me disent, le sexe, je vois le sexe. Je dis, non, ce n'est pas ça que vous comprenez dans les dessins. Après, je leur dis, donc c'est ça, donc mon dessin, c'est une partie pour inviter les hommes à séparer le corps féminin du sexe. Et il y a vraiment, j'ai trouvé que c'est très difficile de convaincre vraiment les hommes, pas que les hommes marocains, en général, qu'un corps nu, ça ne veut pas dire une invitation au sexe. Et puis les couleurs, il y a aussi une explication pour les couleurs de peau, ça on peut le dire après. Et alors, on revient au titre du premier livre. L'honte est la honte que la société voit ou la honte que les femmes ressentent sur elles-mêmes? Je pense que pour répondre à cette question, Thierry a dit une chose, c'est que la loi, en fait, par exemple, je donne un exemple. Alors, la loi contre le harcèlement au Maroc, elle est réglée. On a une loi qui protège les femmes, mais en vrai, elle ne protège rien, en fait. Le harcèlement, il a juste monté. Le harcèlement, on a beaucoup plus de cas de viol, d'inceste, de mariage mineur. Donc, je pense que la loi, pour moi, c'est une blague. Même quand je prends un texte de loi, je le trouve comme une pièce théâtrale, comique, pour moi, qui ne sert à rien, parce que ça n'a rien changé. On ne peut pas avancer comme nation avec des lois. C'est pour cela on m'a posé un jour une question. Est-ce qu'il faut commencer par le changement d'une loi, même si c'est un texte positif, ou attendre que la nation se développe et accepte ces changements? Alors bien sûr, on va dire non, il faut appliquer ces lois, il faut les imposer, mais ça n'a pas marché dans notre cas. Ça n'a pas marché. Ça a donné juste un résultat négatif. C'est pour cela, les livres, pour moi, par exemple, Hchouma, il y avait un public marocain qui n'a jamais lu des livres, mais ils m'ont juste suivi sur Instagram. Ils me disent, ça, c'est à 40 ans, c'est ça mon premier livre, parce que je t'ai vu sur Instagram et je te suis et je t'aime bien. Et donc, je me suis dit, ok, puisque moi je fais polémique, je vais utiliser ça et comme influenceuse qui ne vend pas des produits cosmétiques, mais je vends des livres, donc ça tombe bien. Donc, vous allez venir depuis Instagram, vous allez acheter mes produits. Et comme ça, on va avancer comme un peuple qui va enfin lire. Même dans l'islam, qui est critiqué des fois ou admiré des fois, la première chose, la première phrase en islam, c'est « il faut lire ». Mais le peuple, ils ne lisent pas. Donc, une grande partie de mon activisme, c'est que si le peuple... la richesse d'un peuple, en fait, ce n'est pas le pétrole ou les ressources humaines, c'est la lecture. C'est comment il... Est-ce que chaque citoyen a une collection de livres qui traite quelque chose? Donc, c'est aussi un activisme que je fais. Alors, normalement, dans la bande dessinée, dans les strips, dans une plaquette, on a des mots et des dessins. Mm-hmm. Et toi, comment tu travailles? À partir de quoi? De l'inspiration, d'un mot, d'une suggestion? Alors, au début, j'ai commencé par ce que j'ai vécu. Donc, les dessins que je viens de vous montrer, qui ont fait polémique, c'est pourquoi j'ai fait le dessin de Casablanca, parce que j'étais harcelée à côté des twins de Casablanca. Donc, voilà, donc je rentre comme thérapie, je fais un dessin. Shoma, c'est aussi toutes les pages, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est des choses que
que mes amis m'ont raconté aussi. Mais là, par exemple, pour Iranienne, et d'ailleurs, je profite pour dire que Iranienne sort en italien le 30 octobre, et je vais le signer à Luca. Luca Comics. Luca Comics. Donc, vous aurez la possibilité de le lire. Et là, par exemple, pour Iranienne, ce n'est pas mon scénario, c'est un journaliste qui a contacté la vraie fille iranienne de 19 ans qui vit maintenant à Téhéran. Et on a raconté sa vraie histoire. Ma BD qui sort le 2 janvier, c'est mon propre scénario, d'après mon expérience. Parce que là, je fais des ateliers de dessin politique au village, au Maroc, surtout avec les jeunes filles qui ont perdu leur maison de tremblement de terre. Et je découvre que j'étais en train d'enseigner une classe de jeunes filles de 14 ans qui ont leur enfant par un mariage forcé. Et c'est là où je me suis dit, alors là, je vivais dans un autre univers. Je disais que le Maroc, il a avancé, alors qu'au village, il y a des horreurs. Donc l'histoire de la prochaine BD que je publie, c'est la vraie histoire en fait, d'une de mes étudiantes qui a 15 ans, qui a fui un mariage forcé, et après, elle est devenue un phénomène aussi. On va montrer la couverture après. Bon, quand on parle aux femmes, on fait des actions liées au féminisme, on implique nécessairement les hommes. Tu penses que le féminisme aujourd'hui doit être inclusif? C'est ce qu'on a fait à Machi Rojola, qu'on va vous montrer les dessins. L'image précédente. Hein. Voilà. Donc au Maroc, il y a un podcast qui est à la saison 4 maintenant. On a 4 saisons. Et chaque épisode, c'est une interview avec un intellectuel, des philosophes, des auteurs marocains qui expliquent c'est quoi être homme, c'est quoi la virilité, la masculinité en tant qu'homme marocain. Et chacun a ses explications. Alors bien sûr, on est en train d'introduire une masculinité qui est féministe, une masculinité qui respecte les femmes. Et chaque épisode, alors on lit par exemple la masculinité au football. Alors comment le football nous a montré est-ce que les femmes sont invitées à cet univers, bien sûr tout dans le contexte marocain. Après, j'aimerais bien découvrir comment ça se passe en Italie, le sport, est-ce que les femmes sont bien invitées. Alors nous, au café, c'est la galère quand on regarde un match. Alors, dans le milieu politique, dans le milieu artistique, est-ce que les hommes sont prêts à devenir féministes? Alors, on a des hommes féministes, des hommes politiciens, des auteurs. Mais malheureusement, ces dernières années au Maroc, on avait une vague énorme de la communauté patriarcale qui sont des conservateurs, qui veulent ramener les traditions du Moyen-Âge de retour, qui veulent vraiment... Et leur argument, c'est que les femmes, elles ont maintenant des bonnes notes à l'école... C'est vraiment un problème. Donc les femmes, elles ont des sociétés maintenant, elles sont les plus, ils ont beaucoup de succès dans l'économie. C'est pas bien ça. Il faut arrêter ça. Où va le monde? Bien sûr, surtout à l'université, les 60% des gens qui sortent avec un diplôme sont des femmes au Maghreb, surtout au Maroc et en Algérie. Ça c'est sûr. Dès le baccalauréat, c'est 60% des femmes qui ont leur diplôme. Mais quand on est au milieu de travail, il y a une baisse entre les femmes et les hommes. Parce que, d'ailleurs, moi, ce qui m'a mis en colère, c'est que dans mon école d'ingénieur, je pense qu'on était un nombre minimal de femmes qui étaient avec moi à la classe. Et déjà ce nombre, je pense que j'étais juste moi et une autre fille qu'on a continué à bosser et les autres, ils ont choisi le mariage et je les connais très bien par cœur parce qu'ils étaient sous une pression de carrière où soit on va devenir ingénieur. Je vais jamais oublier une phrase, c'est qu'elle m'a dit « je veux pas être ingénieur avec des chats à la maison, je veux quand même un homme » et je dis « on peut avoir les deux, les chats et l'homme »
et le travail et tout à la fois. Et donc, c'est vraiment... C'est ce que j'ai mis dans le show. Moi, j'ai mis vraiment toutes les phrases que j'ai écoutées, toutes les conneries que j'ai écoutées, parce que ça me fait mal au cœur qu'un citoyen, il vit ses pressions. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais faire... je vais totalement détruire ma vie pour faire le bien à la société. Donc, bien sûr, il faut changer ça. Est-ce que je peux me permettre une question d'homme? Qu'est-ce que tu... Comment définis-tu un homme féministe? C'est quoi pour toi un homme féministe? Voilà. Alors, un homme féministe, pour moi, c'est un homme qui a laissé tomber des privilèges donnés par le système patriarcal qui était installé pendant des années. Par exemple, je parle du Maroc. L'héritage, par exemple, il n'est pas donné aux femmes comme aux hommes, alors qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui travaillent pour leurs frères, c'est les femmes qui payent les factures de la maison. On a ça de plus en plus. Et à la fin, elle n'a rien en héritage. Ça, c'est un exemple. Et je vois maintenant, il y a des hommes qui choisissent de laisser tomber ce privilège. J'ai des amis, par exemple, avec leur sœur, quand leur père a décédé, ils disent, ben, OK, non, je ne veux pas les règles musulmanes, je veux qu'on a un accord égalitaire entre nous, les frères. Pour moi, ça, c'est un homme féministe, parce que, alors, bien sûr, le système patriarcal, il définit souvent l'homme féministe comme un homme soumis, comme un homme qui n'a pas de... Parce que la virilité, la définition de la virilité pour les personnes patriarcales, c'est contrôler, c'est la violence, alors que c'est faux. Bien sûr, un homme féministe, avant tout, il ne défend pas la femme quand on lui dit « ta sœur, ta maman, ta fille ». Il défend la femme en général, c'est pas que avec une liaison familiale. Mais franchement, ce que je dis là, c'est du chinois pour les Marocains. J'ai dit ça 1000 fois, j'espère qu'ils vont le comprendre. Mais c'est une expression, les hommes féministes, qu'on utilise beaucoup, même en Tunisie, en effet. Et pour revenir au sujet de ces festivals et regard au futur, à ton avis, à propos des droits des femmes, quelle est la priorité au Maroc, en particulier la sexualité ou le travail? C'est-à-dire, dans quel domaine la discrimination n'est plus accablante? Alors, pour en finir avec un stéréotype qu'on a dans les pays musulmans, en fait, chez nous, on n'est pas contre l'amour. Je pense que notre communauté arabe, elle est la plus grande fan de l'amour et de sexe. On est les plus à consommer la pornographie, on est les plus à avoir des relations hors mariage, on est les plus à faire la fête. Moi, je le dis d'une façon positive et négative, on est vraiment une culture qui aime le sexe, en fait. C'est juste que il y avait plein d'éléments d'hypocrisie, il y avait plein d'éléments de pression sociale et religieuse qui ont mené notre culture à détester ce qu'on aime, ce qui est l'amour, ce qui est vraiment la fête, l'ivresse. Et même le tout premier livre, Le Jardin parfumé, qui date du XIIIe siècle, c'est un livre par un Tunisien, en fait. C'est un livre qui détaille l'amour, et c'était le tout premier livre qui a donné plus que 70 mots pour dire vagin en arabe, en fait. Et la même pour les parties génitaux de l'homme et de la femme. Donc, au XIIIe siècle, les Arabes, ils avaient cet épanouissement sexuel, ils aimaient l'ivresse, ils aimaient la fête. Mais malheureusement, c'est l'islam politique qui a tout détruit. À partir des années 20, avec les frères musulmans, donc il y avait une vague de... donc, pour répondre à la priorité avec ça, parce que la sexualité, pour nous, ça existe. Je pense qu'on a déjà cette liberté, c'est les lois qui nous font vraiment des limites. Mais bien sûr, au travail, je pense qu'avant-hier, c'était la journée mondiale de l'égalité de salaire homme-femme. Et à ce jour-là, même moi, je découvre des chiffres horribles. Il y avait vraiment un gap entre ce que la femme et l'homme gagnent
au sein d'une société, par exemple, et toujours on dit parce que la femme, elle donne naissance, parce que la femme, elle a ses règles, parce que la femme, et donc elle n'est pas... Alors qu'on oublie, c'est grâce aux règles, c'est grâce à ce cycle de reproduction que les hommes existent, que l'humain existe. Mais on choisit de rendre ça une faiblesse chez les femmes. Oui, je pense qu'il est très, très important que tu soulignes le fait que ce n'est pas le Coran, les problèmes, mais c'est vraiment la politique qui a interprété et mal utilisé la religion. Et surtout au Maghreb, on voit, par exemple, dans les manifs, des femmes voilées ou des femmes traditionnelles voilées, du voile traditionnel, hein, pas nécessairement du voile religieux, qui sont contre, qui se battent pour les droits. Ça, je crois que c'est une typicité maghrébine que peut-être n'est pas bien compris de l'Europe. Qu'est-ce que tu en penses? On a maintenant une montée de féministes musulmanes. D'ailleurs, je travaille sur un projet où j'illustre la vie d'Amina Daoud, qui est la première femme imam de mosquée à New York, qui a créé une mosquée mixte. On peut être voilé ou non, parce que avant tout, il y a même, parce que dans l'islam, il y a juste le Coran qui est pris comme une source de règles de vie générale. En aucun texte, c'est écrit que dans une mosquée, il faut être que des femmes ou des hommes ou le voile même. Et même si le Coran, il a des textes qu'on appelle misogynes, il y a le ijtihad. C'est qu'on peut changer ce texte selon l'époque où on est. Par exemple, nous, dans notre économie, les femmes, elles jouent un rôle. Donc, il faut qu'elle ait l'héritage comme les hommes. Et derrière nous, il y a une image très intéressante. Moi, personnellement, je l'ai lue de droite à gauche, comme en arabe, on écrit de droite à gauche, et comme un parcours, un chemin, un projet de liberté peut-être ou d'émancipation du niqab et à la nudité. Quelle est ton interprétation, les faits, s'il y a une interprétation? Alors ça, c'est une caricature piège pour moi et j'ai piégé beaucoup, beaucoup de personnes dans mon exposition. Donc, c'était exposé à Casablanca en 2021. Et les hommes et les femmes qui venaient, ils ne savaient pas c'est quoi le bon sens. Est-ce que d'ici là, on devient une femme de valeur ou c'est par là? C'est quoi le mauvais sens? Qu'est-ce que tu veux dire par ça, Zainab? Et je dis, c'est ce que je veux dire là. C'est parce que je voulais écouter cette folie de la société, parce que vous voulez toujours juger la femme, vous voulez toujours à chaque fois lui donner une étiquette selon un tissu politique qu'elle a dessus, qu'elle soit nue, qu'elle porte un tissu. Donc, et les gens, ils jugeaient vraiment le personnage. Est-ce qu'elle est bonne à droite ou est-ce qu'elle est bonne à gauche? Et le jugement, pour moi, il joue ça fait une grande partie de la culture de Hchouma, le fait de juger, le fait d'avoir de croire qu'on doit en fait donner des jugements sur les femmes. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui à l'Iran aussi, c'est basé sur cette idée. Peut-être la possibilité de cohabiter tel qu'on est, avec notre différence, en tant que ce sont des richesses. Et quand on parle du futur, on pense surtout aux jeunes. Je me souviens d'une plaquette où il y a, par exemple, peut-être on l'a vu auparavant, « Yé Rabbi » où dit « Monseigneur, nous sommes restés sans rêve. Hein, quel est le futur pour les jeunes ?» Et donc, au Maghreb, qu'est-ce qu'il reste aux jeunes, à part la voie de la fuite et de la mer? Eh bien, pour les jeunes, et on voit là, par exemple, un exemple pour les jeunes, c'est des articles que j'ai illustrés avec Vice, c'est un média, Vice Arabia à Dubaï. Et ils ont fait pour une première fois une série d'articles en arabe qui expliquent. Même moi, quand on m'envoie le texte, j'étais choquée. Donc, c'est une journaliste musulmane qui m'a dit « Alors, cette semaine, on va illustrer un article sur comment les femmes lesbiennes peuvent vivre tranquilles. » J'ai dit « Ok, vous voulez vraiment dire ça pour les femmes à Dubaï,
au public arabe. Elle m'a dit oui, oui. J'ai dit bah, c'est bon, on est bien. Alors on a pas de problème. Votre patron ne dit pas non. Donc il y avait des articles qui expliquent même pour des hommes homosexuels dans cette culture patriarcale qui défend juste la virilité. Donc est-ce que être homosexuel c'est possible dans les pays arabes? Et on a expliqué historiquement comment l'homosexualité a existé depuis très très longtemps, surtout chez les Arabes. Il y avait des fêtes chaque jour et qu'aujourd'hui on est dans cette idée de juger les hommes pour leur choix de vie privée. Et donc les jeunes aujourd'hui, on voit des médias privés qui sortent, il y a des artistes indépendants marocains, algériens, tunisiens qui publient leurs livres. C'est vrai, des fois, on est obligé à collaborer ailleurs pour vivre bien, pour manger, pour payer nos factures comme artistes. Mais on a absolument une crise de financement de culture et d'art à cause de la corruption, parce que l'argent existe. Nous, on n'est pas des pays pauvres, on est des pays riches, mais dirigés par des connards. C'est ça la seule définition. L'argent existe, mais et l'artiste, déjà, l'artiste chez nous, c'est un chômeur, c'est pas un métier. Même dans notre famille, quand on dit je rêve d'être artiste, ah non non, tu. Alors que moi, par exemple, j'ai laissé mon salaire d'ingénieur pour vivre artiste et je vis mieux. Donc voilà un exemple. Donc ma famille, elle était en mode, ok, donc être artiste, c'est bien finalement, financièrement. Et bon, l'avortement est bien sûr une des questions fondamentales quand on parle du féminisme et une querelle encore ouverte parce qu'on sait bien que les lois ne sont que le premier pas pour franchir les frontières et les tabous, comme ce qui se passe aux États-Unis en ce moment montre très bien. Quelle est ta position, ton opinion, et comment tu fais face à ce problème au Maghreb? Alors, bien sûr, nous, les féministes, surtout dans la région nord-africaine, Moyen-Orient, on est vraiment en colère contre le parti conservateur américain, parce qu'ils ont financé énormément des propagandes en ligne pour cette montée d'idées Red Pill. Alors Red Pill, c'est vraiment un mouvement macho des hommes qui veulent vraiment détruire les féministes, ils veulent vraiment détruire, et ça, c'est devenu très très populaire au Maroc. Ils ont des groupes, ils ont des rassemblements, comment on peut détruire les féministes. Ils nous ont même menacé à mort cette année. Ils ont fait une liste de morts pour nous faire peur. J'avais des collègues qui ont laissé leur bureau, leur travail. On a reçu des emails avec nos adresses, notre vie privée. Et les Américains, ils ont financé pendant des années cette propagande. Mais tout était détruit parce que ce qu'on a découvert cette année, c'est que ces philosophes américains, ces influenceurs américains qui parlaient sur le mouvement patriarcal, ils étaient tous avec des idées même xénophobes, des idées pro-génocide même. Donc les Arabes, ils se sont réveillés. Ah mince! On était en train de prendre comme idole américain des personnes qui sont pour le génocide, des personnes qui sont en fait racistes finalement. On était juste utilisés dans ces propagandes. Donc le Parti conservateur américain, il est très très dangereux. Et il a déjà ruiné plusieurs choses déjà, dont la question d'avortement, qui est malheureusement au Maroc une question. On a encore ce débat. C'est-à-dire que quelle est la loi au Maroc à ce propos? C'est 5 ans de prison. Cinq ans de prison. Si, alors, et ça, on l'a dans les news tout le temps. C'est toujours le gynécologue et l'infirmière et la fille qui part en prison pour 5 ans. Et d'ailleurs, il y a un cas qui nous a tous mis en colère, c'est le cas de Maryam. Alors Maryam, c'est une Marocaine de 14 ans qui vivait dans un village pas loin de Marrakech
À 14 ans, elle était violée par 3 hommes. Elle est tombée enceinte. Et sa maman, elle ne savait même pas quoi faire. Elle l'a ramenée avortée en pleine montagne. Et la fille s'est décédée. Et avec tout ça, on est en train de dire que peut-être Mariam de 14 ans, elle a cherché ça. Peut-être elle a fait le choix de tomber enceinte. Et c'est ce qui arrive. Donc quand on a même... Alors l'avortement, que ce soit par une relation d'amour ou que c'était le résultat d'un viol, c'est toujours la femme qui est accusée, c'est toujours la femme qui est vue comme une porteuse de péché. Et quand on parle des Américains, il y avait désolé, je dis connard beaucoup parce qu'ils sont pleins avec nous. Et c'est très respectueux de dire connard qu'autre chose. Donc il y avait un connard américain qui a dit tout simplement, si sa fille de 10 ans était violée et elle est enceinte, elle va choisir de garder le bébé parce que c'est une vie et tout ça. Et c'est à ce point que vraiment les hommes... Ces hommes, en fait, c'est comme un club toxique qui se réunissent ensemble et ils veulent toujours, même quand ils font des bêtises, ils vont le défendre. Ils ne vont jamais prendre la responsabilité et dire, cet homme, il doit assumer ses crimes. Voilà. Et je sais que tu fais beaucoup d'activités, des ateliers. Tu fais aussi des présentations dans les écoles. Il est accessible au Maroc la possibilité de parler aux jeunes dans les écoles, par exemple. Tu peux montrer tes images dans les écoles. Alors, dans l'école publique, c'est un peu difficile, mais l'école privée, j'ai fait plein d'ateliers. Par exemple, même, je bosse au musée... Musée Slaoui, c'est un musée à Casablanca qui a une collection d'affiches de la période de colonisation. Donc, c'est pour montrer aux visiteurs les atrocités de la colonisation au Maroc. Et en même temps, il ramène des étudiants de l'école publique. C'est un programme pour, même quand on est étudiant d'une famille pauvre ou d'une famille qui n'a pas cette culture de musée et d'art, on te ramène, tu vois le musée. Tu vas assister à un atelier avec moi et je découvre que ces jeunes, ils sont toutes... Alors, ce qui est, pour finir avec des infos positives, vraiment, je découvre que la génération Z, c'est ce qu'on appelle, surtout les Marocains, ils sont tous féministes, ils sont tous des activistes. Même moi, à leur âge, je ne pouvais pas dire de certaines choses, donc ils ont vraiment... Une énergie vraiment positive et c'est ce qui me laisse dormir tranquillement, c'est que je sais que le futur du Maroc, il est dans des mains propres. Peut-être, moi, j'ai découvert en effet le féminisme, à part les questions historiques, en Maghreb. Et les femmes maghrébines m'ont enseigné surtout que l'important, c'est devenir ce qu'on est, c'est-à-dire une femme, et pas un homme, pas comme un homme. Il ne s'agit pas d'imiter l'homme, la virilité. Et cela me revient à l'esprit un proverbe cubain pour indiquer une femme qui a bon pied, douée, on dit qu'elle a 3 ovaires. Hein, alors que même en Italie, on attribue à une femme qui a une forte valeur les organes masculins. Et ça, c'est une chose que je déteste. Alors, quel est ton point de vue ? Et quelle est surtout l'idée du Maroc d'égalité entre hommes et femmes? Il y a aussi une citation égyptienne qui compare une femme forte par elle doit être l'équivalent de 100 hommes à la fois. Marab miyat rajel. Alors ça c'est en arabe, je sais qu'on ne pourra pas traduire, mais ça veut dire que quand on a une femme forte, elle est équivalent de 100 hommes. Alors toujours, on est en train de comparer. Une femme féministe ou indépendante par une personne qui veut devenir un homme, alors que bien sûr moi je suis contre ça, je suis pour,
pour avoir le choix. La femme, elle doit avoir le choix, elle reste féminine, ou elle veut avoir une autre énergie dans son genre, dans son quotidien, il faut respecter ça sans jugement, sans insulte. Et je pense que c'est juste une question d'ignorance d'histoire, parce que quand on revient au royaume Amazigh, c'était dirigé par des femmes, même en Afrique entièrement. Au moment où on devait faire ce débat de est-ce que les femmes doivent voter, on avait des reines africaines, on avait des femmes qui choisissaient comment on va diriger tout un village ou tout un pays. Franchement, on n'avait pas besoin de féminisme avant en Afrique ou en royaume Amazigh. C'est qu'aujourd'hui qu'on a besoin, après les colonisations, après, et on a discuté au déjeuner. C'est le paradoxe, l'Europe qui n'a pas apporté de la modernité en ces cas-là. Parce que bon, les reines berbères a été un grand matriarcat. Oui, parce que la loi homophobe qui existe aujourd'hui au Maroc, elle est imposée par les Français. La loi contre l'avortement, c'est par les Français. La loi contre le sexe hors mariage, c'est par les Français. Donc c'était le général Lyoté qui a créé Casablanca, qui a créé un Maroc moderne, selon lui, qui était aussi un général homosexuel avec des amants. Il tombait toujours amoureux des hommes et il voulait ruiner la vie des Marocains. Oui, je le déteste à fond. Et c'est ça la réalité, c'est que on peut dire c'est la religion, mais c'est aussi la colonisation. C'est, quand je dis la colonisation, c'est pas juste colonisation européenne. C'est aussi les Arabes qui sont venus. Je le dis comme ça, ça met tout le monde en colère. Mais je sais pas pourquoi la vérité. Si la vérité met quelqu'un en colère, c'est leur c'est qu'ils ont tort, tout simplement. Donc le royaume Amazigh avant, c'était un Éden pour les femmes et les hommes. Il n'y avait même pas les femmes qui sont supérieures aux hommes, mais il y avait un balance, une situation d'harmonie. Une harmonie entre l'énergie des hommes et l'énergie des femmes pour avoir une vie basée sur l'égalité. Voilà. Tu voulais dire. Alors, non, on voit ce strip et en effet, on voit que les corps féminins ont été toujours regardés par des hommes. L'histoire a été écrite par des hommes. Les médecins étaient des hommes. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter à ces propos-là? Tu as fait une étude et aussi une recherche historique sur ça. Alors ça, en fait, c'est des pages sur l'histoire du clitoris. Et comment le clitoris, il était pendant des siècles, voilà, censuré, mal vu partout au monde. Et bien sûr, j'ai fait plusieurs interviews au Maroc dans notre langue locale pour expliquer le clitoris. Et d'ailleurs, il y a un point qu'on n'a pas dit, c'est que, par exemple, nous, on n'a pas un mot pour décrire le clitoris en arabe. Même par exemple, quand on veut dire être homosexuel ou les parties génitales de femmes, c'est des insultes en fait. Et c'est ça la culture de Hshoma aussi. Donc quand je veux traduire un travail, il faut que je fasse un travail de recherche sur les mots. Est-ce que je vais inventer des mots? Est-ce que je vais... Et c'est ça la Hshoma, c'est qu'on ne te laisse même pas un langage pour que tu expliques ça à tes enfants, pour que tu expliques ça. Par contre, en Amazigh, il y a ces mots, en fait. Donc, on voit vraiment que, par exemple, ce que je fais là, je ne le vois jamais comme moderniser le Maroc. C'est un peut-être retour. Qu'il faut expliquer quelque chose sur les Amazigh. C'est-à-dire que, peut-être vous le savez, mais au Maghreb, il y a plusieurs peuples nomades. En général, Imazeïgen, qui veut dire les hommes libres. Et ils ont un alphabet tout à fait différent, les Tifna de l'arabe. Ils ont été colonisés par les Arabes et écrasés par les Arabes et l'islam. Ils étaient des animistes auparavant, ou bien ils croyaient dans Dieu, déesse et de les forces de la nature. Donc tout a été changé. Ça, c'est très important parce que écraser une langue, ça veut dire museler un peuple et ne pas les laisser exprimer. Ce qu'on ne dit pas,
c'est effectivement effacer, nier. Donc, le travail qu'elle est en train de faire, même au niveau linguistique, est très, très important. Merci, hein, pardon, mais peut-être que les autres ne sont pas si renseignés. Parce que j'avais marre d'entendre que moi, je suis en train de rendre le Maroc moderne ou je suis un modèle européen, alors que ce que je fais, c'est je veux qu'on revienne comme on était avant. On était libre, on était une nation heureuse, mais on était détruit par ce qui est venu ailleurs. Et ta dernière publication est sur... il y a 2 semaines, plus ou moins, non, le 4 septembre, si je me rappelle bien, c'est l'Iranien. Elle tombe dans un anniversaire tragique. Alors, quel est son but? Alors, Iraniana, elle sort en italien le 30 octobre, mais déjà en français, c'est la vraie histoire d'une Iranienne de 19 ans qui est lesbienne, qui est contre le régime des moulas. Et bien sûr, ce que je raconte, c'est pas une vie facile pour elle. D'ailleurs, on discutait comment on créait le projet. On était en contact avec elle par Telegram et elle a dû nous bloquer parce qu'elle a senti qu'elle était... Elle est lue par le régime, en fait. Parce que le régime, il lue tes conversations sur WhatsApp, Telegram, les emails. Et ça peut la mettre vraiment dans la possibilité d'une exécution, parce que le régime, il a exécuté cette année 300 personnes. Ces 2 derniers mois, presque 2 personnes qui étaient exécutées. Mais on ne peut pas même savoir le chiffre, parce qu'ils ne partagent pas vraiment les vraies infos sur le peuple. Et bien sûr, il y a 2 ans, Gina Mahsa Amani, elle était morte à cause de la police de mœurs en Iran pour port obligatoire de voile. Et 2 ans après, voilà, je publie Iranienne. Et dans les événements, il y a les manifestations qui étaient faites pour la mort de Gina. Alors, elle était très connue sous le nom de Mahsa Amini. Et peu... Personne ne savent que Mahsa, c'est le nom forcé par le régime. C'est un nom forcé par le régime. Son vrai nom, c'est Gina, qui est kurde. Et la communauté kurde aussi, elle est souvent exécutée en Iran. Et même ses parents, les parents de Gina Mahsa Amini, elles sont enfermées dans leur maison. Ils peuvent même pas... Parce qu'ils parlaient beaucoup avec la presse, et ça a dérangé le régime, donc ils l'ont ordonné de ne plus faire des interviews, ne plus parler de leur fille. Donc l'histoire, c'est pas une illustration sur la vie de Gina, mais plutôt de Raya, c'est une autre fille iranienne, et je vous invite après à lire la BD, à soutenir la cause de nos sœurs en Iran. Et c'est une, comme marocaine, en fait, bien sûr, ça me... j'aime beaucoup ce féminisme qui est pour la femme partout au monde, sans frontières. Parce que c'est vrai que Marrakech, c'est la ville de tourisme. Marrakech, c'est la ville, c'est le Maroc moderne. Alors que récemment, une fille à Marrakech, c'est une influenceuse, elle était emprisonnée parce qu'elle a porté une jupe. Bien sûr, elle est marocaine. On ne pouvait pas faire ça à des étrangers. Et c'est ce qui arrive maintenant en Iran. Donc, si on est une femme locale, on est puni. Mais la modernité, ça s'applique juste sur les médias, ce maquillage pour donner cette image sur le Maroc ou sur l'Iran. Et j'irai en Arabie Saoudite, en fait. J'étais invitée pour présenter mes livres au Comic-Con de Jeddah. Bien sûr, j'étais choquée et j'avais des idées d'annuler cette invitation, mais je me suis dit, non, il y a des femmes saoudiennes qui m'attendent là-bas, donc il faut que je les rencontre, il faut que je leur fasse un débat avec elles, comme j'ai fait aujourd'hui. Et pour moi, c'est plus important d'être au Moyen-Orient, d'être dans les pays musulmans qu'en Europe, parce que ils ont beaucoup, beaucoup besoin de personnes comme nous pour avoir le courage. Même moi, quand j'avais 16 ans, quand j'assistais à des autrices, parce que j'ai grandi à la Médina de Fès,
et j'ai assisté à des débats des autrices qui m'ont mené à qui je suis aujourd'hui. Et on va montrer la prochaine. Oui, tu t'es fait connaître par cette image. Oui, alors ce dessin que j'ai publié a beaucoup fait polémique sur les réseaux sociaux au Maroc parce que tout simplement on n'accepte pas l'art de nudité. Et ça, c'était encore moi avec ma coupe de cheveux bien avant. Et en fait, l'histoire de choix de couleur, moi, en fait, comme j'étais rebelle depuis que j'étais adolescente, on me dit souvent que Dieu, il est masculin. Donc, quand je découvre que dans la religion hindoue, il y a des femmes déesses, je me suis dit, ah ben enfin, ouf, c'est pas... Le Dieu peut être une femme aussi. Et en fait... Dans leur religion, pourquoi on a des déesses avec des couleurs bleues et des serpents? Parce que, en fait, cette déesse, elle était avant une femme qui était violée ou blessée par un événement. Et l'événement, c'est le serpent. Donc, le serpent, il est juste symbolique. Donc, il la mord et elle devient bleue. Donc, elle devient déesse. C'est comme si on n'est plus une victime, mais après, il faut avoir cette force. Donc, c'est des symboles que j'ai utilisés. Donc, c'est des déesses que je dessine. Mes personnages, c'est des déesses. Mais pourquoi est-elle sur un taureau? C'est le taureau masculin? Ça fait aussi partie de la culture hindoue. Donc, j'étais vraiment, vraiment à une époque folle de tous les éléments, les symboles. Et le taureau aussi, c'est un symbole de force, d'être une personne rebelle. C'est Zeus aussi. Oui. Mais la religion naît comme vénération de la grande mère, de la terre, en effet. Après, il y a la religion olympique en Grèce et le monothéisme qui a donné une vision tout à fait différente. C'est ça. On veut s'arrêter de nouveau sur quelques images. Voilà, ça c'est la grande nouveauté, c'est la première fois que tu vas la montrer. Oui, donc c'est en exclusivité que je montre cette couverture parce que c'est ma prochaine BD qui sort le 2 janvier. Et c'est ça, et ça s'appelle Madame Haram. Alors quand j'ai fait mes ateliers au village au Maroc, j'ai rencontré, comme je vous ai dit, j'ai rencontré des étudiantes de 14 ans, 15 ans. Alors j'ai dû rencontrer des jeunes filles de 14 ans qui ont déjà leurs enfants. Il y en a qui ont fui un mariage forcé, et ça c'est l'histoire de Aïcha. Alors Aïcha, elle était forcée à se marier, mais elle a choisi de dire non. Elle avait le courage que beaucoup de filles n'arrivent pas à dire. D'ailleurs, quand on a 14 ans, on peut être manipulé facilement aussi. Ta maman... Alors, une maman, ça doit être une source de confiance. Donc, si ta maman te dit, ma fille, tu dois te marier, la fille, elle va automatiquement dire, je vais suivre ce que maman me dit. Donc, des fois, les mamans aussi, elles jouent un rôle dans ce genre de catastrophe à arriver. Et Aïcha, avec le temps, elle va grandir, et elle va vivre. Et c'est dans la Médina de Fès où j'ai grandi. Donc il y a beaucoup de zellige, il y a beaucoup de l'architecture de ma ville. C'est une ville très traditionnelle et très conservatrice, Fès. Et oui, ah oui, c'est là où c'est grâce à cette ville que je suis aujourd'hui Zeynab. Et voilà, donc j'ai hâte de publier cette BD et je suis sûre qu'elle sera en italien. Aussi. Et peut-être, je ne sais pas si l'on traduit haram. Haram, c'est interdit. Bon, explique-toi. Alors, en islam, il y a halal, haram. Donc, halal, c'est tout ce qui est permis par le Dieu. Et haram, c'est tout ce qui est un péché. Et Madame Haram, c'est parce que, d'ailleurs, Aïcha, c'est elle, Madame Haram, parce qu'elle était née à cause d'un viol, hors mariage aussi. Donc, elle était appelée la fille haram du village. Et quand elle a grandi, elle a choisi d'être la madame haram, avec une fierté, en fait. Tu veux dire quelque chose, non? Peut-être c'est naturellement le public qui vuole parlare, vuole intervenire, ha delle domande da porre, le traduciamo poi. N'hésitez pas.
if you have questions. Parlo in italiano e faccio prima. Questo accenno che ha fatto, diciamo, alla speranza nella gioventù marocchina, cet espoir dans la jeunesse marocaine, se è un fenomeno solo marocchino, se è un fenomeno invece diffuso nelle società arabe, e quanto c'è di illusorio nella tua speranza e quanto di reale, politico? Oui, c'est une très bonne question de dire que cet espoir, est-ce que c'est une illusion ou non? Alors pour moi, je dis que des fois, il faut se déconnecter de la réalité. Parce que si on va suivre la réalité, on va toujours être déprimé, on va toujours être... Et moi, en fait, j'aime bien des fois vivre dans les illusions. En fait. Des fois, j'ai vraiment choisi l'illusion de dire que... Parce que même quand on dit « je suis libre », il faut y réfléchir. Est-ce qu'être libre aujourd'hui dans ces économies, dans ces règles de vie comme citoyen, avec beaucoup de choses à réaliser pour vivre avec dignité, il faut payer des choses, est-ce qu'on est vraiment libre? Donc, des fois, je choisis moi aussi l'illusion de dire, écoute, je vais faire ce choix et croire en ça. Alors, pour les jeunes, comme je fais des ateliers au village ou même dans les musées, bien sûr, je les invite à créer leur univers aussi. C'est très important parce que si on reste dans le vrai univers, c'est vraiment un univers déprimant. La réalité, moi je le dis, elle va nous casser à la fin si on la suit. Donc, et c'est pour cela il faut être indépendant, il faut créer nos propres lois. Moi, j'ai mes propres lois. Je n'ai pas besoin d'un enfer pour être une bonne personne. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de quelqu'un ou d'un dieu pour respecter un humain. J'ai créé mes propres lois et ces lois que j'ai créées moi-même, c'est par la lecture, c'est par mes réflexions et les jeunes. Malheureusement, moi, ce que je dis, c'est que, par exemple, au Maroc, il y avait, pour une petite période dans les années 70, la philosophie, elle était supprimée aux écoles, pour ne pas laisser les jeunes se poser des questions ou douter des choses, parce que le gouvernement, il voulait pas, même dans les années 70, 80, on avait beaucoup, beaucoup de mouvements marxistes, laïcs, des féministes, qui étaient toutes éliminées par monter exprès un mouvement islamiste. Parce que être islamiste, des fois, il était en faveur même aux Américains, même pas que le gouvernement marocain. Mais aujourd'hui, ce mouvement islamiste, il s'est développé et c'est devenu un virus qui a tué, qui laisse pas les jeunes danser, chanter, dessiner. Il laisse pas. Et même le gouvernement, il fait face à ces extrémistes. Donc c'est devenu un bordel. Donc c'est pour cela que je dis, les illusions, des fois, c'est très bien. C'est très bien. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Ah, curiosità. Allora, in Italia, il prossimo rendezvous avec Zina è a Luc, in Toscana, du 30 ottobre al 3 novembre, a Luca Comics, o peut-être elle presenterà l'Iranien. Merci beaucoup. Merci. Allora, solo un'informazione. Normalmente nella libreria ci dovrebbero essere alcune copie del suo libro a Shuma. E se per caso è arrivato, non so se è arrivato, Zainab sarebbe contenta di fare una dedica o cose così. Quindi se esiste, se lo trovate, non esitate a contattare Zainab per una dedica e un disegno. Grazie a tutti e buona sera a tutti.